Bonjour. Bonjour Doucéa, c'est Doucéa et Portemort et on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode d'Until Dawn Ouais. Sur PlayStation 4. Et on s'était arrêté à la dernière vidéo à une séance de spiritisme avec la table en bois, les lettres, machin, oui, non, oulala, pose une question que je t'y réponds. C'était juste une blague, Anna. Un petit récapitulatif. C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ses filles, Anna et Bess Washington. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Waouh, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum. L'effet papillon. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupé à faire ta connasse. Arrêtez! Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane quand on a parlé? Ouais. Ouais, d'accord. T'as entendu? Bordel, qu'est-ce que tu portes? Voici notre billet vers le monde des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fou. Si c'est ça que tu veux... Jess? Jess! Alors, salut ici. Pour communiquer avec le monde des esprits, vous devez vous libérer de tout préjugé, de toutes inhibitions et vous offrir entièrement à la volonté des autres, sublimant chacun de vos désirs aux lubies de l'esprit maître, c'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. Je suis sérieux à mort. Ah, tais-toi. Bon, allez, essaye. Oui, je te remercie. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement converti, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui? Alors, on était à... On en était là. Sérieuse et ou désinvolte. Est-ce qu'elle est sérieuse ou désinvolte? Rappelez-vous les vidéos. Abracadabra. Elle vient d'être initiée... Allez. Désinvolte. Esprit, es-tu là? Eh oh! Décrochez, esprit, esprit du téléphone. Abracadabra. Arrête. Si t'entends ma voix, fais-nous un signe. Ouais, genre un signe de la main, les gars, ou un signe de croix. Bon, si vous continuez pas sérieusement. Ok, ok. Esprit, es-tu là? Quel que soit l'endroit? Attends une minute. C'est toi qui fais ça? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Ah. Qu'est-ce que ça épelle? Attends. Mais comment c'est possible? C'est toi qui le bouge? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide? Comment on est censé aider? J'en sais rien, ça veut dire quoi? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Alors, clarifier qui a besoin d'aide ou interroger comment pouvons-nous aider? Help. J'irai comment? Comment pouvons-nous t'aider? Ça bouge encore. Wow. Qu'est-ce que ça épelle? Attends. Ça bouge vite. Attends. Merde. Warning. Attention. Je pense que nous devons vraiment trouver qui essaie de communiquer avec nous. Ouais, on va essayer de savoir. On peut pas t'aider si tu nous dis pas qui t'es. Peux-tu nous dire qui tu es? Oh, ça y est. Ok. S. O. E. U. R. Sœur. Sœur? La sœur de qui? Oh, arrête, t'es sérieux? Ferme. Demande-lui la sœur de qui? Josh, ça doit être... Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors? Ashley, demande-lui qui elle est. Est-ce que c'est Anna ou Beth? Anna, oui. À qui parlons-nous? Anna? C'est toi? Oh bon sang. C'est n'importe quoi. Josh? Tu... Ça va. T'es sûr? Parce qu'on peut arrêter, hein? Non. Hé, hey, ça va. Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer.
Réfléchis. S'il s'agit vraiment d'Anna, on va peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Josh? Je peux gérer. Ok. Laisse-moi réfléchir. Moi, essayer de savoir. Moi, essayer de savoir. Anna, tu nous manques. Et on veut savoir ce qui t'est arrivé. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? T-R-A-H. J'aime pas ça. Trahi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça continue. Oh merde. T-U-E. Tué. Oh non. Tué. On les a pas tués. C'était juste une farce. H, du calme, hein, ok? Il faut qu'on en sache plus. Je suis désolée. Tellement désolée. Regarde, qu'est-ce qu'elle veut dire? Demande-leur ce qui s'est passé. C'est l'unique façon de savoir. Vas-y, H. Qui je suis? Waouh, on va essayer de savoir qui, tiens. Ok. Qui t'a tué? Anna, qui c'était? B. I. B. Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. B. R. E. U. Preuve. Il y a une. Dans la bibliothèque. Wow. C'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas cool. Josh, non, c'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme. Hé, du calme. J'ai vraiment pas besoin de ça maintenant. Putain, vous êtes trop lourd. On devrait peut-être le rattraper. Il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu de temps. Non, je lui en veux pas. C'était dingue. La flèche filait à toute allure sur la table. Je veux dire, si t'as fait semblant, tu t'y es drôlement bien... J'ai pas fait semblant, pas du tout. On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Voilà. Allons-y. Ah, puis lui, il est dehors. Ah oui. Yes. Oui, il est en train de discuter avec la blonde, elle s'est barrée, puis elle crie, puis voilà. Bon, pop. Alors on peut courir, je crois, c'est ça, ouais, je crois. C'est vraiment coucou, pas drôle. Jess, un tracteur. Oh, bien. Jess, t'es là-dedans? Ouais, oui, le gros plan. Non. Non. Oh putain. Non, bah non, hein. Mais oui, mais faut un minimum de concentration. Ah. C'est pas foutu, les jetons, ce truc. Ah bah ouais, bah pas qu'à toi. Ouais, bon, on se barre, hein. Non, il y a encore un truc, je suis sûr. Jessica. Oh, allez. Ouais, bah, c'est moche, hein. Ah, oui, c'est sûr qu'il y a. C'est pas très très beau, hein. Bon. Ah. Peut-être du monde là-bas. Yes. On sait pas où on va, mais on y va. Lumière de ma vie. Oh, c'est mignon. Un totem. Totem du danger. Ouh. C'est pas drôle. Ouais. Bon, on peut pas aller par là apparemment. Non plus. Non, non, parce que t'es reparti en arrière. Bess, tu es où? Bah, pas Bess. Ça baisse? Non, baisse. Allez, je promets de ne pas t'assassiner. Oh putain! Non! Non! C'est trop beau. J'adore! Non! Attends, faut que tu vois ça! Je veux rien non, voir de... Non, Mike! Non! Quoi? T'as filmé ça? Oh,
regarde ta tronche. J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur Jess. Ah oui, Jess. Au milieu des bois, c'est super flippant. Oh, pardon, ouais. Je te fais peur. Si t'envoies ça à quelqu'un... Tu quoi? Je vais te... tuer. Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse. Oh, elle a l'air de vouloir être drôle, alors on va être drôle. À ce que je vois, j'ai toujours mon pantalon. Ah, c'est comme ça. Ouais, va falloir que t'essaies encore. Ah, un défi, hein. Alors accroche-toi bien, car tu es sur le point de ressentir toute l'ampleur de mon exceptionnel talent. Quelle provocatrice. Montre-nous ton exceptionnel talent. Encore un autre. Voilà. Qu'y a-t-il dans le trou ? Totem du conseil. D'accord. Bon. Si tu te rappelles, les totems ont effectivement une signification. Signification, ouais. C'est vrai que je me rappelle plus trop. T'avais les couleurs, jaune c'était conseil. Yes, par yes. Rapport à un choix, là tu as une, la perte potentielle d'un ami. La menace d'un danger à venir. Une chance se présentera. Ouais, il y en avait. Bon. Il y en a quelques-uns. Ouais. On continue. Alors, où vont nous emmener ces deux petits tourtereaux ? Une qui provoque, lui aussi, hein ? Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que oui. C'est ? C'était quelqu'un qui criait ? Non. Non, non, ça hibou. Sûrement un écureuil. Ou... Oui. Je sais pas. D'ailleurs, lors d'une dernière vidéo, j'ai tiré sur un écureuil, je m'en veux. Ah. Ah. Quoi? T'as entendu? Non. Oh, c'est très petit. Oui. Oui. Y a quelqu'un? Oh. Bon bah c'est bon, c'est juste ça. Voilà, qu'est-ce que je vous sers? Oui, j'espère que c'est le bon chemin. Ah, les plans de caméra nous disent qu'il y a bien quelqu'un qui nous observe. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est vraiment comme tu l'avais décrit, Michael. Quoi? Le gîte. Eh bien, on va faire des bêtises dans une cabane où il fait 6 degrés. Et encore, c'est généreux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Un masque? Un vieux masque, d'accord. Un indice. Ouais, on a vu le gars devait faire de la soudure. Une douce revanche ou... Ouais, douce revanche, elle nous a fait chier là, hein. Tiens, tu mouilles. Non. Arrête. Oh, c'est pas vrai, Jess. Arrête de te moquer de moi maintenant. La revanche est à moi. Oh non, ouais. Non, ce n'est pas juste. Il faut être fair-play, très cher. Je t'ai juste fait peur. Je t'ai pas trompé. Eh, hey, je ferai tout ce qui m'est possible de faire pour te réchauffer. Ah. Alors commence à cuisiner. Ne sous-estime pas mes talents culinaires. Ouais, sous-estime pas. Bon allez, j'arrête de faire le con, je retourne dans la cabane. Mais en fait, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas l'air d'avoir plus. Non. Bon. Ok.
Je te déshabillerai plus tard. Là, il fait trop froid, tu vas geler. Ah, on a bien causé. Voilà. Pression monte. Oula, 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 oula. Oui, bah oui, c'est quoi ça? Je suis pas sûr de vouloir savoir. Oh. À mon avis, il y a Monsieur Le Serre avec Madame Le Serre. Oh non. Bah tu m'étonnes. Merde, je crois qu'il va pas s'en tirer. Je vais le calmer. Eh hey, mon vieux. Oh, c'est pas vrai. Le pauvre. Ça va aller. Ça va aller. Oh. Ça va aller. Mike, il souffre tellement. Ce sera bientôt fini. D'accord mon vieux, ce sera bientôt fini. Oui, cours. Oh putain, c'était quoi ce truc? Oui, courez tout seul, je vous rejoins plus tard. Raccourci. Courez, 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 courez. Non, non. Allez, on doit foncer. C'est ce que je fais. Un coup. Connerie. Non, sérieusement, à fond, 110%. Bordel, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours? Ouais, sans doute. Ah ouais, avec la vue de prédateur en rouge. Ouais, je l'ai pas bien vu. Mais tout va bien se passer maintenant, je te promets. Comment tu peux en être sûr? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qui ouvraient des voitures. Quoi? Où ça? Sur Internet. Vraiment? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Typique. Oh. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike? Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein? Eh bien, il y a une cheminée. Ouais, on n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady, et une lady a besoin d'un peu de romance. Une lady. Ok. Une lady aimerait se blottir contre son homme, devant un bon feu, et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud, lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike, le feu... et la lueur des flammes. Ouais. Maïdi. Fais du feu pour la lady. Alors, faire du feu. Hop. Voilà. Voilà. Et la lumière. Non. Que la lumière soit. Et la lumière. Fût. Oui, ne vois pas si brusquement quand même. Allez, mets la bûche dans la cheminée. Une deuxième, quand même, pour quand que ça même. Tienne. Bien. Voilà. On est prêt. Manque plus qu'une allumette. Oh, attends. Tu devais sûrement l'avoir là-bas, l'allumette, non? On tout range en même temps, même endroit. Non, même pas. Oh là là. Ils sont désordonnés. Non. Elle veut du feu, lui veut qu'il se réchauffe. Ah, il se cherche, Depuis le début. Des sculptures de glace.
je te suggère de faire du feu. Et vite. Tu vas te faire brûler. Super. Parfait pour allumer la flamme. Oh ah hey, est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est rien, c'est les lumières. Je sais que ce sont les lumières, idiot. T'as tout cassé. Ah bah oui, j'ai juste broyé le disjoncteur, quoi. C'est toi qui as un courju. Oh. La photo de tennis. Anna qui a gagné l'Alberta de bronze 2013. D'accord. Oui, bah, oh. Ah, bah, eh. C'est une lady. Ah, c'est une lady à 200%. Hein. Ah, ouais, c'est impatient. Dans le coffre, non. Là, chez sa mamie, non. Wow, mais bien sûr, un rideau. Qu'est-ce qu'on trouve derrière un rideau? Oh. Lâche-moi, je te dis. Oh, putain de bordel de merde. Tu crois que c'était quoi, Mike? Allez. Bon. Pas du PQ pour allumer le feu, non? Non, il faut une allumette. Ah, le bouquin de Galastrip. Un bouquin édité par Tom Hayton. Ok. Ah, bien vu. Oh, le Kama Sutra. Ce qu'un mari doit désirer le plus profondément chez sa femme ou sa maîtresse doit lui être rendu. J'adore. Il fout son amante avec la plus grande extase. Oui. J'adore. C'est. Par conséquent, lorsque le mari prend la position dite de l'éléphant, la femme répond avec celle connue par les anciens comme le cygne dans sa splendeur. Oh. La position avancée qui se nomme l'ermite joue de sa lyre est souvent associée à celle connue sous bien des noms mais communément appelée la marguerite en fleur. Je suis pas vraiment sûr d'être prêt pour ce niveau de. Oh, sa propre mot est un mur, le baiser de la déclaration. Lorsque la femme entoure son amant de part et d'autre, c'est ce qu'on appelle la position enlacée. Mais c'est mignon. C'est tout. Bon, souplesse hein, quand même. Hein. Oui. Quand même, mais avec un peu d'entraînement, oh là là. Bon, allumette toujours pas. Elles sont les autres pièces. Ça c'est fait. Ah, non, bah non, ça c'est par là où on vient. Ça ne s'allume pas, ça non plus, non. Bon. Là il y en a, bah, hein, il n'y a plus d'autres pièces normalement. Mmh. Bon, bah, t'auras le droit à la lueur de la lampe, hein. Ah, tu vas nous trouver un briquet. Toi, tu fumes, toi, en fait. Merde, bordel. Mike. Quoi? Oui. Oh, merde. Quoi? Putain, il est où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Perdu. Je l'ai perdu, ok? Jess, attends. T'as perdu ton téléphone? Mon téléphone, bah ouais. Tu le trouves pas? Merde, non. Oh, c'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Non. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un. J'en suis déjà à mon quatrième cette année. Ok. Oh putain. Okay. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Pas rentable. Il doit être dehors. Ouais. Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. D'accord. J'aurais aimé que tu n'essaies pas de me faire peur. Parce que je suis complètement trempée. C'était pas malin de ta part. Désolée. Pas malin. Il est probablement tombé à l'eau et je suis sûre qu'il fonctionne plus maintenant. Donc peu importe. Eh, je vais me racheter. C'est promis. Ouais, bah lui rachète pas un iPhone, apparemment, elle est foutue en l'air. Ah ! Ouais, ah, elle est une allumette. Salut, salut. Oui, bon. Voilà. Qui c'est qui va s'embraser ? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici, pas vrai ? Pas vrai. Allez, fais-nous du bon chauffe. Une allumette. Wow. L'homme 1 le faisait retour. Très bien joué. Bravo.
Bon, ben maintenant, il t'a rendu service, hein? Et ensuite... Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Comment ça, sympa? Eh ben, super. Si j'avais su ça avant... Je sais pas, c'est juste que je le sens pas encore. Un besoin d'alcool pour... C'est sympathique. On rassure ou on séduit? Embrassons-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Bah, si ça a l'air de coller entre eux, on va les faire faire des bisous. Ouais. Peut-être qu'on se lance, tu vois. Comme pour sauter dans une piscine. Quoi? Peut-être qu'on devrait commencer à... Oho. Tu sais, exploter. Et voir où ça nous mène. Sérieusement? Et tu pensais que ça marcherait? Ça fonctionne toujours. Obsédé. Provocatrice. Pardon. Mike, les volets. Oh, mais t'excuses pas. Tu peux les fermer, s'il te plaît? Tu sais, il n'y a personne dehors. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ça me plaît pas. Jess, sérieux, c'est bon. Écoute, ça me plaît vraiment pas. Ok, je ferme les volets. Je sens que je dois me préparer un truc bizarre. Ferme les volets. Ouais, je vais fermer les volets, mais je vais prendre le fusil avant. Regarde ça. Non, ne tire pas dessus. J'ai pas un accident. Fais pas le con. Montrer. Non, je vais pas le défrayer. Oula, parce qu'après on aura plus le droit de faire des bisous. Alors, t'aimes mon joujou? Oh, j'aime les sous-entendus. Ah, mais c'est génial. Ah, je l'ai vu ce passage-là. Ok. Il comprendra jamais notre relation. Oh, bon bah voilà. Ouais, ça suffit. Bon bah va fermer le volet. Hein. Il comprendra pas la relation, mais apparemment. T'es bon à fermer le volet. Ah. Jamais le volet qui se ferme de l'intérieur. Hop. Petit défaut du jeu, je trouvais. Ah, oh, c'est très américain, peut-être. Voilà. Hein. Oui. Les volets sont fermés. Alors, où est-ce qu'on en était? Je suis désolée. Désolée, je pense que j'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de tenir bon et... Quoi? Tenir bon? Écoute, j'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout, mais au fond, je vais être honnête avec toi. T'es qu'une allumeuse. Je manque vraiment de confiance en moi. Bon, elle l'avoue. On va essayer d'être rassurant. Oui, parce que ignorant. Tu plaisantes, j'espère. Quoi? T'as aucune raison de manquer de confiance en toi. Oh. Arrête, si tu savais. Je sais. T'es comme tout le monde. On manque tous de confiance en soi. Mais tu sais te mettre en valeur. C'est peut-être une façade, mais... Pas seulement. Oh, ouais. Si tu le dis. Ouais. Et ça, c'est hyper sexy. Vraiment? Mais oui, bien sûr. Essaie de trouver une couverture et on pourra se blottir au coin du feu et... Oh. Tant pis de savoir si tu es plus mignon que con. Oh. Ok. Oh, sympa. Moi, j'aurais pas aimé, hein. Est-ce qu'ils vont enfin pouvoir conclure? Est-ce qu'ils vont enfin pouvoir conclure? Parce qu'on a fait une scène de spiritisme. Je crois qu'il va conclure. Tu crois? Non, c'est dans... C'est dans quoi? Ah oui, dans Les Bronzés font du ski. Je crois que je vais conclure. On a eu la séance de spiritisme. Là, on a eu un peu peur. Là, ils vont se blottir. Est-ce qu'ils vont conclure? On le saura au prochain épisode avec Doucet et Panthémore. Et bonsoir. Ben, au revoir.